Hello les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode avec la marque Walrus et la pédale Lore, qui est une pédale extraordinaire. Comme d'habitude chez Walrus, c'est la qualité hi-fi, c'est monstrueux. J'ai essayé des pédales aujourd'hui pas mal dans le studio Tone Factory, et là, dès qu'on met ça en route, tout de suite, la clarté, la définition de la guitare est parfaite. Comme d'habitude, c'est vraiment parmi les meilleures marques pour moi, pour tout ce qui est réverb, pour tout ce qui est écho, c'est monstrueux. Alors on va découvrir un petit peu cette belle pédale, ce bel instrument, j'allais dire, parce que c'est vraiment le cas. Ça, encore une fois, incite à jouer des choses différentes. C'est pour ça aussi que je vous montre ce genre de pédale de temps en temps dans Tone Factory. C'est une pédale facile à prendre en main, franchement, par rapport au nombre de programmes qu'il y a et à toutes les fonctions qu'il y a sur cette pédale. Franchement, on prend vite ses repères, ça tombe sous les doigts, les réglages sont faciles et on joue de la musique. Ça, c'est très cool. Thank you.
pourrais presque arrêter la vidéo là, honnêtement, tellement c'est mortel. J'ai pas touché un seul réglage, ou presque. J'ai vraiment juste géré mon mix et de temps en temps regen, je reviendrai sur ce petit réglage. Voilà, pour pas que ce soit trop brouillon, mais globalement, j'ai rien touché, ce qui est quand même assez rare sur ce genre de pédale. J'ai juste bougé ce bouton ici, donc les différents programmes disponibles sur ce delay reverb, on va appeler ça comme ça parce que c'est un peu dur de nommer cette pédale, mais grosso modo c'est un delay et une reverb qui fonctionnent ensemble. On peut donc régler plein de choses, notamment le time, donc le delay. Voilà, ça c'est assez classique avec le tap tempo ici, très pratique, mais on peut aussi le gérer là. Vous voyez la LED qui accélère, voilà. C'est assez conventionnel. La tone, donc le bouton de tonalité classique. Modulation, ça c'est très cool, on écoutera un petit peu après en détail, mais ça, grosso modo, ça fait des vagues. Comme ça, ça donne un petit peu le mal de mer quand on le met trop fort, mais ça peut faire des effets très 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 cool. Et puis après, donc, feedback, regen, qui vont gérer, eux, le delay et la reverb pour que ça fonctionne tout ça bien ensemble. Alors, ce bouton, le X là, a une fonction différente par programme. Ça, c'est le seul truc un petit peu complexe sur cette pédale. Ce que je vous propose, c'est de voir justement à quoi ça sert ces boutons de loin, le plus intéressant sur la pédale, puisqu'il va donner un caractère vraiment différent sur chaque programme. Donc, on va se remettre sur le programme numéro 1, c'est un de mes préférés. Le programme numéro 1, c'est une reverb inversée, reverse comme on dit, et un delay inversé qui se rentre dedans comme ça, c'est mortel à jouer. Et je vous laisse écouter donc la fonctionnalité de ce bouton X sur ce programme numéro 1. On écoute ça ensemble. Franchement, c'est terrible, ça suit la dynamique du guitariste, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ces pédales-là, chez Walrus, très souvent, ça va suivre le médiator, le coup de médiator qu'on va mettre. Plus on va jouer fort, plus l'effet va être prononcé, et puis quand on va baisser son intensité de jeu, tout à l'heure je l'ai fait dans la démonstration, voilà, des programmes aussi, mais là, c'était encore plus flagrant, bah, on a l'effet qui est très très discret, voire quasi inexistant, c'est assez incroyable, ça suit vraiment le guitariste. C'est pour ça que j'adore ces effets, vraiment. Alors ce bouton X, je vous le disais, le X-Knob, ça va donc avoir une fonctionnalité sur chaque programme, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas tout vous montrer, parce que vraiment, encore une fois, la vidéo ferait 4h30 sinon, mais voilà, ici, vous avez entendu que ça, en fait, augmente le côté reverse du delay. On a un delay qui est vraiment encore plus inversé et encore plus prononcé quand on va le mettre, le bouton, ici, à fond. Et ce réglage aussi, regen, tout à l'heure, je vous en ai parlé, mais je vous ai pas expliqué ce que c'était, c'est tout simplement la réinjection du signal de la guitare dans la pédale. Donc voilà, c'est vraiment complet. Encore une fois, on peut pas tout essayer, parce que c'est, voilà, il faut passer du temps sur ce genre de pédale. Ce que je vais essayer maintenant, c'est un réglage que j'adore sur ce genre de truc, c'est la modulation, ici. On va écouter ça ensemble. Thank you.
quand même un bon truc de malade. Hein. Franchement, là, moi, je peux jouer 6h30 sans m'arrêter avec ce genre de truc. Ça met dans un trip. C'est vraiment mortel. C'est énorme. Ça épaissit le son, ça grossit le son. Alors là, on était sur le programme numéro 3 avec la modulation qui est hyper bien faite. Quand on la met à fond, elle est très prononcée, mais c'est très progressif, le bouton est hyper bien fait. Encore une fois, ça suit, mais vraiment au doigt et à l'œil, ce que je fais au Mediator, c'est un régal à jouer. Et puis ce bouton X ici, qui vient faire traîner comme ça ces petites paillettes, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ces aigus qui suivent chaque note, c'est magnifique. Franchement, c'est une grosse, grosse claque de cette pédale en termes de qualité de son, encore une fois, en termes de dynamisme, c'est monstrueux. Donc c'est vraiment la folie. La lore de chez Walrus Audio. Encore une fois, on ne va pas tout vous montrer, mais je vous invite à aller essayer cette pédale en magasin. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps, de passer un peu de temps sur ce genre d'instrument. Encore une fois, voilà, on parle de pédale, c'est un petit peu vulgaire. Je trouve que là, c'est vraiment un instrument à part entière. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de Tone Factory. Ciao les amis.